Et bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour un 13e épisode sur KSP avec au programme les préparatifs pour la mission de retour du Kerbal sur Minmus. Et donc, il va falloir commencer par poser des commsats là-haut. Alors, petit détail, j'ai remarqué que j'avais plus de 300 points de science. Et que techniquement, je devrais pouvoir me payer des technologies d'analyse, ce qui devrait me permettre d'avoir le module de scan de surface, par exemple. Ce qui pourrait être sympa pour la mission en question. Et puis le scanner d'analyse, j'ai bien envie d'en mettre un sur l'un des vaisseaux pour voir ce que ça peut donner. Ça fait que 200 kilos, donc ça devrait pas être trop gênant. Et celui-là, ça pourrait être bien aussi pour les embarquer à la surface. Ça se pose, ça s'embarque. Puis le brin d'analyse, ça sera pour plus tard. Donc, je pense qu'on va y aller avec ça. Faut bien dépenser les points de science. C'est dépenser les points de science pour avoir plus de science. Côté contrat, il y a quelques contrats qui pourraient être intéressants pour du pognon, un satellite en orbite autour de Kerbin, orbite super large, le drapeau sur Minmus. Je viens de le voir celui-là. Celui-là, on va l'accepter, parce que c'est quand même un des trucs qu'on va faire rapidement, retourner sur Minmus. Et par contre, oui, voilà. J'ai vu que j'avais ce truc-là qui traîne dans mes contrats depuis tellement longtemps. Tester un RT-10 pilon sur l'aire de lancement. Donc je pense qu'on va on va commencer par faire ça. Comme ça nous fera une place et ça fera peut-être venir d'autres contrats. Donc un propulseur. Il est où? Vite. Il est où le pilon? Puceron, pilon. Voilà. Une capsule MK1 dessus. Et puis, tant qu'à faire, nouveau module de science. Attends, celui-là, oui, celui-là, il se pose comme ça. Et celui-là, il se pose comme ça. Et salut Xian et salut Krios. Non, il n'y aura pas de boom là. Si tant est que. Voilà. Si tant est que j'arrive à me servir de mes doigts. On va juste coller ça sur. J'aurais peut-être en coller deux. Et par mesure de sécurité, juste au cas où j'appuie deux fois où ça se barre, on va se mettre. Il est où un peu? Ah, ils sont mes parachutes. Ouh, j'ai plein de structures dont je me sers jamais. C'est dans l'utilitaire. Ouf, just in case. Voilà. Quoi? C'est pas un module de commande, ça? Ah, j'ai pas mis un Kerbal dedans? Eh bah. Tiens, vas-y, Bob, scientifique.
Alors, toi donc, ok. Si je... Il est où mon rapport d'équipage? Ça rapporte plus rien, ça. Ça rapporte plus rien. Eh ben Zou, on va remplir ce contrat. Et on récupère. Ça fait un petit contrat de rempli. Ça fait 6 de science avec le nouveau module. Je récupère mes fonds. Et je récupère mon scientifique. Ok, donc. Dans l'idée. Où en était mon Comsat 2G Mark II? Qu'est-ce que j'avais dessus? Globalement, tout ce qu'il me faut. Je pense que je vais juste rajouter un petit peu d'énergie pour le dernier, peut-être. On va voir. Donc, on va charger un Bouvard Minmus Landing. C'était un Bouvard que j'utilisais pour. C'était un Mark III. Mais on va le mettre qu'avec deux. Nouvelle racine. Tac. Toi. Va-t'en. Effacer coiffe. Je veux. Des nœuds inter-étage. J'ai pas de nœud inter-étage là. Donc ça va être un Bouvard Mark 3 Minmus comme SAT. SAT. Je vais rajouter. Il est où mon... Non, il est plus bas. Ah oui. Je peux te rajouter à condition. Je te redonne ça. Et que je te mette un découpleur séparateur T6. De
deuxième. Un troisième. Et pour le dernier, on va se rajouter du coup de la batterie électricité. Un paquet de batteries. Et d'ailleurs, peut-être même un peu plus. Comme ça, eux, je peux les descendre. Comme ça, je peux rajouter un peu plus d'énergie. Et sur celui-là, donc, c'est là que je voudrais rajouter mon nouveau module de science, qui est pas le scan de surface, pas les bras d'analyse, pas le laboratoire mobile, le scanner d'analyse. Ouch! Je sais pas pourquoi, je le voyais pas si gros. Sérieux, ça se déploie. Ouais. Est-ce que c'est très moche comme ça? Et surtout très irréaliste. De me demander si ça vaut le coup fluide atmosphérique. Scan de surface, baromètre, j'en ai déjà mis un. J'ai juste un doute sur l'intérêt du truc au final. Hop.
Parce que ça prend une place folle. C'est contre-productif avec mon antenne. Et ouais, bon. On va faire des comme ça de classique. Alors, construire quoi? Voilà. Une belle coiffe. Juste, je me pose une question. Est-ce que je pourrais en... Je peux pas en mettre plusieurs là-dessus. Sauf peut-être à utiliser une structure. Est-ce que j'ai des... C'est dans... C'est où? Structure. Ça, c'est tout petit. Je pourrais pas. C'est très bien comme ça. On change rien, on sait que ça marche. Alors, toi par contre. Plus quelque chose comme ça. Et toi, plus quelque chose comme ça. Parce que la dernière fois, j'en avais, ça en avait pas vidé assez. Là, ça devrait vider plus vite. C'est quand même un lanceur à 127 000. Combien j'avais payé pour... Combien j'avais payé pour... Boulevard 3 Light comme ça. C'est un lanceur à 67 000. Ouais, en fait... En fait, ça va peut-être être amplement suffisant. Parce qu'il faut pas beaucoup plus pour aller sur... un peu plus cher parce que j'ai des roues de réaction en plus. Un peu de support, ça peut faire du bien. Un peu de... quand même un petit couplage, histoire de dire... On va lui coller des
propulseur à ergol solide. Crevette, c'est tout petit. Pollux, c'est peut-être un peu gros. Pur sang, trop gros. Recul. 67 tonnes. Je suis à combien là? 121 tonnes. Et toi, tu sors combien? Grand vol. 150 tonnes. 130 tonnes. 67 tonnes. 30 tonnes. Ouais, on va rajouter des reculs. Et il va me falloir de la structure à nouveau. Ah! Si je resélectionne pas ma structure, ça risque pas de marcher. Et un peu par ici. Ça va pas bouger. Toi, tu viens en même temps, ensuite ça, et ensuite mon staging là-haut. Alors, déjà, toi, tu viens avant. La coiffe, tu viens là. Puis, je veux. Celui-là. Ensuite. Celui-là. Ensuite celui-là. Ensuite celui-là. Ça. En premier. Ça. Ici. Et celui-là, là. Là, logiquement, je peux balancer mes staging sans trop de soucis. Et toi, tu vas nous maintenir le tout. Pour le décollage. Sauf que vous, c'est par là et par là. Ce sera mieux. Donc on crame ça. Ensuite, on dégage. Après, on cramera ça. Après, on ouvrira. J'ai du panneau là-dessus ou pas? Quoi ça? Baie utilitaire. Qu'est-ce que j'ai dans ma baie utilitaire? Ah oui, j'ai juste des batteries. Parce que là, c'est loin quand même. Et salut Lodos. Je pense qu'on va y rajouter des panneaux.
Ça fera pas de mal. D'ailleurs, les actions. Déployer panneaux solaires. Donc, custom 1. Le reste, on se le fera à la main. Et déployer panneaux solaires. Est-ce que ça ouais. Ah non, ok. Déployer panneau solaire. Déployer panneau solaire. Déployer antenne. Déployer antenne. Déployer antenne. Donc ça me fait un lanceur à 86 000. Ah, ça c'est un stabilisateur linéaire avancé. Qu'est-ce que j'ai comme module de commande? C'est une roue de réaction quoi. J'ai un module de commande là-dedans, il est où? Ah, j'ai un module de commande des satellites, ça me suffit. Bon. Ça me suffit ou pas? Dans le doute. Allez, on sauvegarde et on va y aller avec ça. Ouais. Donc, d'abord direction l'orbite, puis direction Minmus. PNC aux portes, armement des toboggans, vérification de la porte opposée. On a une montée plutôt facile. Ah,
C'est pas con ça. Du coup, tu mets une roue de réaction par étage? Alors, où en est-on? C'est pas grave. Tout va bien. Séparation de l'étage. Je suis à quelle altitude? Je suis à la bonne altitude pour faire ça, mais j'ai pas le bon ensoleillement pour faire ça. Ça fait à 40 secondes. Ah ouais, mais en fait ce bug sur Station Earth, je suis pas. C'est. Comment il s'appelle? C'est ce dalle qui joue en bêta. Il l'a signalé depuis. Depuis un petit moment et ça s'améliore petit à petit, mais c'est encore bien présent. Alors. On va essayer de se mettre vraiment sur la cible. Et on va pousser. Dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, on pousse. Bah c'est. Il est tout nouveau le bug en même temps. Donc ça m'étonne pas que tu ne l'aies pas remarqué avant. En soi. C'est lié à la nouvelle version de Unity, il y a un truc qui.
clichy dans certains contextes, bah, typiquement voilà, quand tu places un élément, quand tu rentres dans une interface particulière, il y a un freeze, comme j'avais quand je rentrais dans le PC, là où il y avait un lag d'une demi-seconde, entre une demi-seconde et une seconde. Cinq, quatre, trois, deux, un, zéro. Voilà. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos pouces bleus et vos commentaires. Et on se retrouve la prochaine fois pour faire notre transfert vers Minmus et aller mettre ces satellites en orbite. Allez, ciao!